Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCM 2014. Il me semble que c'est la vidéo 62, hein, si je ne me trompe pas. Numéro 62, pardon. Avec l'équipage de la AG2R, la mondiale, pardon, on va y arriver. On va terminer ce Tour de France dans cette vidéo-là. Donc on va faire cette première étape de plat. On va simuler en grande partie, on n'a plus vraiment d'enjeu puisqu'on n'a plus de sprinteurs, ils sont tous fait jeter. Moment fail hein, quand même sur l'épisode précédent où j'ai perdu le tour quasiment définitivement déjà, hein, je tiens à vous le dire. Voilà, on va avancer tranquillement dans le temps et puis bien on va lancer cette étape, à tout de suite. Il reste donc 3 étapes sur ce Tour de France. Qui va s'arrêter dans bientôt hein, sur le Tour de France là. Donc voilà, plus que 3 étapes. On a 2 étapes de sûr pour essayer de reprendre du temps. Il y a celle-là et le contre-la-montre. Ça va être quand même difficile. On va regarder vite fait le classement général si vous voulez bien. Mais j'ai quasiment déjà tout enterré. 3,52 sur Contador. Ça va être extrêmement compliqué. Hein. Ça, c'est clair et net. 11 hommes sont à l'avant du peloton. Van Sumeren, Turo, Chalingi. Villela, Taramae, Belkoff, Sepulveda, Pino, De Volder, Cumming et Molina. Les deux autres, on a fait le tour déjà. Il y a un très fort vent, je trouve, donc je vais peut-être en profiter pour essayer de créer un coup de bordure et mettre toute mon équipe à rouler. À l'avant du peloton, on va mettre Cherel pour rouler à bloc à l'avant du peloton. On va mettre à 80. On va prendre le petit gel avec Cherel et puis on va essayer d'envoyer du lourd. Je me dis que si on crée un coup de bordure, on peut vraiment créer l'exploit, si je puis dire. Même si ça va être très compliqué, je le sais. On peut toujours essayer, hein, qui tente rien n'a rien de toute façon. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Voilà, c'est parti. Il y a du vent, il y a beaucoup de vent, 50 km à l'heure de vent. Et on peut essayer de mettre en difficulté un Contador. On peut toujours espérer, du moins. Mettre en difficulté, c'est le but. Allez, j'ai augmenté l'allure, 85 pour les coureurs. Ça va être dur, ça va être très dur, ça c'est sûr et certain. Certains coureurs ne pourront pas suivre, de toute façon, je m'en doute. Mais qui tente rien n'a rien, on dit toujours ça. Allez, c'est parti avec la petite bosse en plus là. Le petit faux plat montant. Allez, 20 km de l'arrivée, 20 km de l'arrivée. Allez, j'ai constitué mon train, pardon. On va voir si ça peut rouler à bloc là, on va essayer de faire un exploit, hein. On va essayer d'emmener Perrault, hein. Tant pis. Si ça casse, ça casse. Si on y arrive, tant mieux. Mais si on peut l'emmener, franchement, ça serait magnifique. Moi, ouais, c'est le but ultime là. Essayer d'emmener Perrault dans de très bonnes conditions. Je sais que ça va être compliqué. Toute l'équipe se met à sa disposition. Toute l'équipe est à sa disposition. Y a personne qui va relâcher ses efforts. Pour en être sûr. Pour en être sûr à 100%. Que là l'équipe est dévouée à sa cause. Vraiment dévouée à la cause Perrault. Chenel qui a du mal. Hein. Chenel qui a vraiment du mal. Et Bardet qui pédale fort également. Hein. Très très fort Bardet. Perrault qui va avoir du mal aussi. Ah non, ça va être très compliqué. Ça va être impossible. Ça va être impossible. Arrêtez-vous les gars, ça sert à rien. Vous êtes en train de vous griller inutilement pour le chrono. Et si on attaque avec Perrault pour voir ce que ça donne. Hop, j'en pose une avec Perrault, c'est jamais. Est-ce que Contador va réagir? Il s'en fout Contador, il me laisse partir. Allez, c'est le compte la montre avant l'heure là les amis. C'est le compte la montre avant l'heure, je pars avec Perrault, le dernier kilomètre. Avec Perrault, oh ça va être dur. Je suis parti tout seul avec Perrault, il est sûr il a échappé devant, je me fais pas trop de soucis. Hein. Ah si je pouvais prendre au moins 2 secondes, ça pourrait être génial. Il va rien prendre du tout, Perrault. Il va s'écrouler complètement. Eh ouais, on s'écroule complètement avec Perrault là. Oh, c'est dommage, hein. C'est dommage. C'est complètement écroulé avec Jean-Christophe Perrault. Et victoire de Bjarne Turo, à mon avis. Oh, à moins que t'armes. Oh non, Degenkolb. Kittel en costaud. Oh, Kittel. Très costaud, Kittel. Hein. Très costaud, Kittel. Ouais, je voyais bien Turo gagner, mais en fait, non. Hein. Pas du tout. Absolument pas. Oh, Contador, qui vient sauter Bardet, Perrault, tout ça sur la ligne. Pour dire qu'il est là. Eh ben, dis donc. 3 Allemands dans les 3 premiers.
Kreppel, il fait la 8ème place. 4 Allemands dans les 10 premiers, c'est juste un truc de dingue. Bon, on aura tout donné, moins 4 avec Perrault, hein. C'est juste, voilà, moins 4, ça veut tout dire. Plus, il est malade, on le rappelle, Perrault, hein, il se sent pas bien. Donc, on peut pas vraiment faire de bons résultats avec un coureur qui se sent pas bien. C'est comme ça. Toujours 3,52 de retard. Le contre-la-montre sera décisif, de toute façon, voilà, il n'y a plus rien à perdre sur le contre-la-montre, on va tout donner. Un gros contre-la-montre, hein, de plusieurs kilomètres, 60 km je crois. Ça va être très long, ce chrono. Perrault, on va essayer avec Perrault, hein, ça va être dur tout de même, je pense, d'aller chercher ce maillot. Pierre Roland hésite, on va négocier, Pierre. Voilà. Bonafont rétabli. Claude Marceau, j'ai votre équipe pour faire un grand saut professionnel. Claude Marceau. Ah, ça peut être sympa, ça. Et si, pas mal, lui. C'est bien, ça. D'accord, ok. Mais c'est bien. On a recruté un jeune. Allez, contre la montre de 52 km. Ça va être bon, les amis. Ça va être terrible. Perrault est quand même à deux en forme avec une blessure, maux de tête. Il a des maux de tête, donc c'est pas gagné sur ce chrono, mais pas du tout gagné. Allez, c'est parti pour ce chrono. Il reste plus beaucoup de coureurs de toute façon sur la liste de départ. 165 coureurs sur les 189 partants. Il y en a plus beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup d'abandons. J'ai perdu deux coureurs moi aussi. Donc c'est Chenel qui va s'élancer en premier sur les 52 km de cette étape. Ce chrono vallonné, compliqué. Il va falloir le faire avec beaucoup d'attention tout de même. Même si Chenel, tout ça, Chérel, je vais les laisser en automatique, je pense. À moins que je verrai un petit peu ce qu'ils ont comme statistiques en contre-la-montre. Ça me permettra de voir un petit peu comment je vais partir avec Perrault. C'est des longs chronos, j'ai toujours peur un petit peu de me... Comment dire? De me fatiguer en fait sur ces chronos. J'ai toujours peur de partir trop vite finalement et ensuite être pas bon physiquement sur le dernier passage, on va dire. Allez, Vichoux s'élance, Coquard. Ça va être le tour de Chenel bientôt, je pense. Ouais, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, on le sait. Même s'il y a 0,9% de chance d'aller chercher le maillot jaune, on sait jamais. On peut toujours se donner à fond, c'est le but de l'exercice. Bon, il y a 64, c'est pas la peine, je m'en occupe pas. Je vais le laisser faire sa vie, on va le suivre un petit peu dans un premier temps. On va le suivre un petit coup jusqu'au premier temps intermédiaire, voir s'il a, un top chrono ou pas, hein, on sait jamais. Alors ça donnait... Ouais, il est très loin Steve Chenel. C'est pas sa tasse de thé de toute façon, hein. C'est pas sa spécialité le chrono, on le sait. Romain Bardet, je pense que je vais pas m'intéresser à lui. Je vais le laisser, à moins que, attendez. Est-ce que le maillot blanc est loin ou pas? Est-ce que le maillot blanc est possible? 4 minutes 22, ah, ça m'a l'air compliqué quand même. Ça m'a l'air compliqué. On peut toujours essayer de contrôler Bardet, ça fait deux coureurs à contrôler, c'est chaud quand même. C'est dommage d'échouer sur la deuxième marche pour les deux maillots. Le maillot blanc et le maillot jaune quand même. C'est extrêmement dommage, hein. C'est décevant même. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent dans le vélo, c'est comme ça, c'est la triste loi du vélo. Vous aurez toujours un plus fort que vous. C'est comme ça. Vous finirez deuxième toute votre vie peut-être. Et c'est parti, ma chère elle, pareil, là, il est mauvais. En plus, un moins 5, c'est même pas la peine que je le contrôle. Il va se faire exploser. Par contre, Riblon, je crois qu'en chrono, ça peut aller. Hein, ça, c'est pas non plus dégueulasse. Oh, Cancellara qui va s'élancer, à mon avis, il va tuer les chronos, lui. Winning, s'élance, Garens, Taramae, Rigoberto Urán. Cancellara a explosé le temps déjà, 17 secondes sur Taylor Finlay. Quand je vous disais que Cancellara va faire mal, eh bien c'est le cas. Riblon.
Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut donner avec Riblon. Plus avec un plus 2, c'est sympa. Allez, on va se mettre à 65 pour le début de, pour le début. On va voir ce que ça va donner au premier temps intermédiaire. On va voir également comment va se comporter la barbe verte avec la barbe bleue. Dupont, contrôle tout seul, hein, voilà, laisse-toi contrôler. Donc 65 avec Riblon. Kadri, on va le mettre à 60 pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il donne Riblon? Riblon, il donne le premier temps pour l'instant. Il partit peut-être un peu vite, hein, finalement, Riblon. Ouais, parti un peu vite, je pense, avec Riblon. Bon, c'est des essais qu'on va faire, hein, voir si on est parti bien ou pas. 60, on part vite avec Kadri, gamin, j'ai l'impression. Faut vraiment regarder sous la pédale. Allez, Bardet. Bardet, que je vais mettre à 55 pour ce début. Riblon à 65, c'était trop. Hein. C'était trop compliqué. Il va s'en descendre, Riblon, je pense. Il va pas arriver bien à terme. Allez, Perroquet est parti. C'est dommage que j'ai pas de temps d'intermédiaire. Pierrot, je vais mettre à 55 aussi. 55 aussi, Pierrot. On va voir ce que ça va donner. Kadri à 60, il commence à récupérer un petit peu. C'est bien. Il pédale bien, Kadri. Romain Bardet. Qu'est-ce que ça va donner le premier temps intermédiaire? Il a moins 1 à Pierrot, hein. Et moins 2 pour Bardet. Pinot. Alors, Romain Bardet, qu'est-ce que ça donne? On va passer sous la flamme dans un instant. 27e temps. Ouf. C'est vrai qu'on part pas vite, mais bon. Riblon, il va arriver. Il va perdre du temps. Troisième quand même, hein. Putain. Un beau temps, Riblon. Sont ralentis, j'ai l'impression, les cours. Hein. Allez, Perrot. Accélère un petit peu. Kadri va quand même pas battre Cancellara, tout ça, c'est pas possible. Il a que 72 en contre-la-montre, le mec. Peut-être commencer à monter un peu à 60. Pareil pour Perrot. Et on va voir le temps. Avoir le temps de... Ah, il s'écroule complètement sur la fin, là. Ouais, parti trop vite. Il va s'écrouler. Il va faire quel temps? Il fait le premier temps, quand même, hein. Putain! Premier temps, tout de même, hein. Pas mal, hein. Allez, on va chercher le chrono. 24e temps pour Perrot. Oh là là, Contador, 9e temps. 9e temps pour Contador. Il est parti vite, Contador. 24e temps pour Bardet. Allez, les gars. Faut faire ça bien. Je vais monter un peu l'allure du côté de Bardet. Côté de Perrot, on n'est pas trop mal. Hein, même si je pourrais peut-être mettre à 60 pour l'instant. Allez, il va chercher quel temps Bardet là sur ce chrono. Moins d'un kilomètre. Il a le 10e temps pour l'instant. Pas mal. 9e temps pour Perrot. Contador a été fébrile sur le deuxième chrono. Bardet qui fait pour l'instant un beau chrono. Signalé. Et Perrot, 8e temps. Contador, combien tiens? Combien Contador? 18e temps, il s'écroule un petit peu Contador, hein, sur cette fin de chrono là. Un peu plus de mal. Allez, Bardet. Combien va faire Bardet? 6e temps pour Romain Bardet. Allez, Perrot. C'est le moment de sortir les tripes. C'est le moment de sortir que. Sortir les 3 minutes!
de derrière les fagots, de je ne sais où. Faut aller les chercher ces 3 minutes. Hein. Allez, 7ème temps. 7ème temps. Et Contador qui va faire bien. Il va être bien, Contador. Il va être très bien, Contador. Il va être très bien, Contador. Et voilà. Consolide son maillot. Bon, on lui reprend un petit peu de temps sur ce chrono, c'est vrai. Froome qui gagne. Kadri qui fait un temps de dingue. J'ai jamais vu ça. Et wow, on s'est carrément relégué à la 3ème place avec Perrault. Froome, il nous a bouffé. Il nous a bouffé, Froome. 3ème place pour Perrault. Sur le podium, quand même, du Tour de France. Et meilleur jeune. Toujours Pinot. Ben voilà, avec ça, on s'est fait ratatiner sur le chrono, finalement. Ça a été une désillusion totale. C'est dommage. C'est extrêmement dommage. Le sponsor, qu'est-ce qu'il dit, d'ailleurs, sur le Tour de France? Je m'en rappelle plus ce qu'il dit, le sponsor, sur le Tour. Quintana sur le départ. Roland hésite. Allez, annulons, parce que Roland, il m'énerve. Bah, Quintana, on va lui proposer un contrat, Quintana, tiens. Hop. Soyons fous. Contactons Quintana. Hop. Qu'est-ce qu'il dit, le sponsor? Sponsor, sponsor. Tour de France. Top 5. Bon, ça va, on est dedans. On est dedans. C'est vrai qu'on m'a dit également, Auxor, essaie de regarder les vélos que tu prends pour les étapes. On sait jamais, ça peut jouer. C'est vrai que tout à fait raison, la bonne qui a dit ça. Les vélos, tout ce qui est légèreté, rigidité, etc. Ça peut jouer, hein, ça peut vraiment jouer sur la course. Bon, c'est vrai que je me suis pas vraiment attaché à ça pour l'instant. On verra peut-être pour la carrière abonnée. Dernière étape du Tour de France. On arrive donc à Paris au terme de ces 3 semaines. C'était compliqué, on a eu le maillot jaune, on l'a perdu, on a eu le maillot blanc, on l'a perdu. Contador était plus fort, Froome était plus fort, que voulez-vous? C'est comme ça, hein. Une 3ème place très décevante quand même, je trouve, pour Perrault, qui aurait pu faire mieux, qui aurait voulu faire mieux, je pense. Mais bon, que voulez-vous? C'est les aléas de la course comme ça. On va se rendre au sprint massif, et puis je pense qu'on va se laisser là au terme de cette étape-là, de toute façon. Qui n'a pas grand intérêt, hein, bien sûr. Mis à part le prestige d'aller gagner sur la ligne des Champs-Élysées. C'est sûr que là, c'est quand même quelque chose de très significatif pour un sprinter d'aller remporter cette étape. Il reste encore quelques tours, bien sûr, mais on va peut-être regarder un petit coup les maillots. Qui vont... Maillot vert, surtout, qui peut changer aujourd'hui, peut-être. Hein, si Demar gagne, il peut peut-être ravir le maillot à Kittel. Du moins, je sais pas. Je sais pas c'est quoi au sprint là. Il a pris 20 points, Demar. Bon, il a pris 17, Kittel. Ça va être compliqué pour Arnaud Demar. Il peut aller chercher ce maillot si Kittel lui prend pas de points à la fin. Et si Demar gagne, bien sûr, l'étape. Allez, on va bientôt arriver donc sur la ligne d'arrivée. 10 km. Il reste 10 km. On va reprendre les hommes de tête dans un instant. Et ensuite, ça va être le sprint massif. Je vais essayer de faire rouler un peu mon équipe également. Si on peut, pourquoi pas, eh bien. Remonter Perrault. Perrault qui va galérer à remonter, je le sens. Allez, Bardet. Qui roule à plus 5, Bardet. Il est vraiment en extrême forme, Bardet. Ça peut être pas mal. Hein. Je vais lancer Perrault, on verra. Bardet qui va peut-être aller gagner sur les Champs-Élysées. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? S'il gagne sur les champs, c'est juste what the fuck. What the fuck? Non, il gagnera pas. Hein. Il a gagné. Hop. Il y a les TXXF qui est en train d'emmener Cavendish sur des... Sur un fauteuil, là, Cavendish tout seul, attention, Cavendish peut aller se faire voler, hein. Kittel dans la route démarre. Démarre qui lance maintenant. Kittel qui va aller passer. Alors, là, c'est une bataille entre démarre et Kittel. Kittel facile, Kittel extrêmement facile, costaud, Kittel. Hein. Ouh, très costaud, Kittel. Qui va venir gagner, 2ème place pour Mark Cavendish. 3ème place pour démarre, 4ème place pour Degen Kolb. Voilà. Et derrière, ça finit tranquillement. Bon, et ben voilà, Tour de France terminé, les amis. Maillot jaune sur les épaules de Contador. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, que voulez-vous? On s'est plutôt bien débrouillé quand même au terme de ces 3 semaines. C'était pas gagné. On a eu des soucis de santé avec Perrault et Bardet. On va pas non plus remettre la faute là-dessus, hein, bien évidemment. Mais bon,
une troisième place, une belle troisième place quand même, on va dire. Kittle, maillot vert, sans distinction, enfin sans, voilà, c'était sûr. Trofimov, maillot à pois. Pinot, meilleur jeune, meilleure équipe, bah c'est la nôtre quand même. Maigre consolation tout de même, on a la meilleure équipe du Tour de France. Voilà, je vous laisse voir le général si vous voulez. Vous pouvez mettre pause. Et on va se quitter ici les amis, on va juste avancer un petit peu dans le temps. Et on va bien se laisser au terme de ce Tour de France. On va continuer la carrière bien sûr après. Pas longtemps, puisque forcément vous savez que... Avec le PCM 2015, on va sortir. Donc on peut également attendre ce jeu. Perrault rétabli, Bengastor rétabli, Prime. Ben, on a gagné pas mal d'argent pour le Tour de France. C'est bien. Voilà. Bon allez, gros bisous tout le monde. Portez-vous bien, on se retrouve bien très vite. Ciao tout le monde, bye bye.